So we're now going to move on to the final session of the conference. It's going to be looking at hepatitis care and research in the times of the COVID-19 pandemic, which has affected us all, and importantly, our patients, not only with COVID, but also with other diseases and how they're affected. And it's a great honor to introduce John Wald, who's really helped with the organization of this conference, and the success of it must go down in many ways to him. John is from the Centers for Disease Control and Prevention in the United States, and is going to talk about the impact of COVID-19 on the existing elimination programs. Je vais initier la discussion sur l'impact de la réponse à la COVID-19 sur nos efforts pour éliminer l'hépatite dans le monde. Dans ma présentation, j'aborderai brièvement le fardeau des maladies liées à la pandémie de la COVID-19 et le fardeau des maladies liées à l'hépatite B et à l'hépatite C en Afrique. Nous avons examiné l'impact, malheureusement en grande partie négatif, de la riposte à la COVID-19 sur l'accès aux interventions essentielles requises pour atteindre nos efforts d'élimination, en particulier la vaccination contre l'hépatite B, y compris pour les nouveau-nés. Il s'agit d'une intervention cruciale requise pour interrompre la transmission du virus de l'hépatite B chez les populations les plus vulnérables à l'infection chronique due au virus de l'hépatite B. Ensuite, il faut examiner l'accès au programme de distribution de seringues, les interventions cruciales pour les populations où la prévalence du virus de l'hépatite C est la plus élevée, les personnes qui s'injectent des drogues, puis voir ce que l'on sait sur l'accès, les tests et les traitements de l'hépatite B et de l'hépatite C et les conséquences si cet accès est interrompu. Nous examinerons également les avantages qu'il y a à interrompre la transmission et à atteindre nos objectifs d'élimination grâce à cette vaste riposte mondiale à la COVID-19. À la date du 24 août, près de 24 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le monde et plus de 800 000 décès, soit environ 2% de mortalité. Veuillez noter que l'Afrique du Sud détient le plus grand nombre de cas. Il est également important de savoir que les maladies chroniques du foie, y compris celles causées par l'hépatite virale, sont un facteur de risque pour l'aggravation de la COVID-19. Comme le montre cette étude, il y a une augmentation d'environ 60% des cas de maladies graves si le patient souffre d'une maladie hépatique chronique. De même, une étude menée aux États-Unis sur des patients atteints d'une maladie hépatique avancée, y compris ceux atteints de cirrhose, a montré que le risque de mortalité était presque 3 fois plus élevé si la personne était atteinte d'une maladie hépatique aggravée et que le facteur de risque était presque 5 fois plus élevé si cette personne était atteinte de cirrhose. Il est donc très important pour nous d'être impliqués dans la riposte à la COVID-19. Ces données vous sont présentées pour vous rappeler la valeur de nos efforts fournis pour retarder la progression des maladies du foie dues à l'hépatite virale afin que le risque de maladies comme la COVID-19 ne soit pas amplifié. En Afrique, il y a environ 1 million de cas de COVID-19, soit seulement 4% de tous les cas notés dans le monde, avec un peu plus de 20 000 décès, ce qui signifie que le taux de mortalité est d'environ 2%. Ainsi, comme je l'ai déjà mentionné, l'Afrique du Sud compte un grand nombre de cas. En effet, 61% de nos cas de COVID-19 se trouvent en Afrique du Sud. Le Nigeria, l'Algérie, le Ghana et l'Éthiopie suivent avec des chiffres plus faibles. Mais ensemble, ces pays représentent environ 70% de tous les cas dépistés en Afrique. Par contre, le fardeau de l'hépatite en Afrique est assez important. 72 millions de personnes vivent avec l'hépatite B, près de 25 millions vivent avec l'hépatite C. On compte 71 000 décès dus à l'hépatite B et environ 48 000 décès dus à l'hépatite C. Près d'une personne sur 5 vivant avec l'hépatite B et l'hépatite C se trouve dans un pays africain. Il y a donc une grande différence dans la mortalité.
Donc, passons maintenant à l'impact sur nos interventions visant à prévenir la transmission et la mortalité de l'hépatite. En réponse à la pandémie de la COVID-19, de vastes réglementations ont été mises en place dans toutes les sociétés, y compris dans tous les systèmes de santé, afin de réduire l'exposition interpersonnelle qui entraîne la transmission du virus. Il s'agit notamment de mesures de distanciation sociale, en particulier la limitation des soins médicaux aux seules situations d'urgence le plus souvent. En conséquence, l'accès à la vaccination a été modifié. En juillet, l'OMS et l'UNICEF ont constaté que pour la première fois en 28 ans, la couverture vaccinale pour les vaccinations essentielles des nourrissons, à savoir la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, a diminué. Sur 82 pays qui ont répondu à l'enquête par fax menée par l'OMS, les trois quarts ont signalé une interruption de leur programme de vaccination. 85% ont fait l'état d'une baisse de la vaccination. 73% ont signalé une diminution de la demande de vaccination en raison de la peur d'être exposé, parce que les gens pensent qu'ils peuvent être infectés par la COVID-19. Heureusement, les trois quarts de ces programmes ont indiqué qu'ils ont des plans de vaccination de rattrapage. Ainsi, ce qu'il manque dans le cadre du calendrier de vaccination de routine serait repris avec plus d'efforts lorsque les services reviendront à la normale. Lors d'un webinaire organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'hépatite, qui portait sur les efforts de prévention de la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant, Maître Dorothée a mentionné dans l'un de ses modèles qu'il pourrait y avoir une baisse de 60% de la vaccination contre l'hépatite C pour la dose de naissance. Et si cette interaction se prolongeait, nous pourrions assister à plus de 5 millions d'infections chroniques supplémentaires par le virus de l'hépatite B, ce qui pourrait se traduire par plus d'un million de décès dus à l'hépatite B dans la vie ultérieure de ces enfants. Il est évident que nous avons besoin de plus de données pour voir l'impact réel qui nous montrera la gravité de cet impact sanitaire si cela arrivait à se produire réellement. Une étude menée aux États-Unis et dans l'État de Michigan sur l'évolution de l'impact sur la couverture au mois de mai de cette année par rapport au mois de mai de l'année précédente a montré que les taux de vaccination avaient diminué d'environ 50%. Il est intéressant de noter que la couverture des doses de naissance par le vaccin contre le virus de l'hépatite B n'a pas diminué, très probablement parce que les mères qui ont accouché l'ont fait à l'hôpital, comme elles le font généralement, là où le vaccin peut être administré. Une autre étude montre que dans d'autres États, la baisse de la couverture vaccinale est assez similaire, voire plus importante. Il s'agit là encore de certains États des États-Unis. Notre partenaire, à savoir le PAO, a mené une enquête auprès de 38 bureaux nationaux pour se faire une idée de ces changements dans l'accès à la vaccination. L'enquête a été réalisée pour la première fois au début du mois de mai. 57% des programmes ont signalé une interruption ou une réduction des heures de travail. Mais heureusement, 71% de ces programmes avaient repris leur heure normale en juillet. Malheureusement, les principales vaccinations n'ont pas suivi le rythme de ces disponibilités accrues, ce qui reflète une fois de plus l'inquiétude de la société concernant l'exposition à la COVID-19 qui empêche les parents d'amener les enfants à ces visites pour que les vaccinations puissent être effectuées. Ils ont donc constaté une baisse de la vaccination dans son ensemble. Ils ont également noté des problèmes de fonctionnement normal en raison de pénuries de vaccins proposés ou de matériel d'injection. Certains d'entre eux sont dus à une interruption des voyages ou des vols internationaux qui permettent la livraison des produits qu'il faut. On a également constaté une baisse de la surveillance des maladies évitables par le vaccin.
Certains problèmes se sont donc posés. Les programmes mis en œuvre aux États-Unis montrent que les Américains ont mis en place des stratégies innovantes pour ramener les vaccins et leur livraison au niveau d'avant le début de la COVID-19, notamment en prenant des mesures pour créer un environnement clinique sûr afin de minimiser les risques de transmission et de rassurer les patients et leurs parents, ainsi que pour commencer à administrer les vaccins en dehors du cadre clinique, par le biais de la vaccination au volant de véhicules et même à domicile. Pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement américain a autorisé les pharmaciens à vacciner les enfants pour la toute première fois dans tout le pays. Ainsi, la liste des prestataires qui pouvaient devenir vaccinateurs a été élargie. Par ailleurs, il est important de promouvoir la santé pour rassurer le public sur la sécurité du cadre clinique et souligner l'importance de la vaccination. Les recommandations de l'OMS doivent être suivies. Dans une certaine mesure, elle recommande d'introduire des programmes de vaccination de masse, de maintenir les services de vaccination autant que possible en fonction de la situation épidémiologique, d'explorer des méthodes innovantes de distribution des vaccins, de donner la priorité à la vaccination liée aux maladies susceptibles de se déclarer et qui sont énumérées ici, et aussi de rétablir les programmes de vaccination autant que possible. En ce qui concerne l'Afrique, les études récemment publiées ont été très intéressantes. Elles ont examiné les avantages du maintien de l'immunisation grâce aux vaccins, y compris les vaccins contre l'hépatite B et les doses de naissance. Elles ont montré que cela réduit le risque d'être infecté par la COVID-19 parce que l'enfant a été amené 3 fois à la clinique pour compléter la série de vaccins. Elles montrent que dans ce modèle, cette combinaison de vaccins pourrait prévenir 470 000 décès chez les enfants vaccinés, dont plus de 4 000 décès dus à l'hépatite B. Si l'on prend compte uniquement des décès chez les enfants, le risque de contracter la COVID-19 lors des 3 visites serait d'environ 3%, ce qui entraînerait environ 8 300 décès supplémentaires. La plupart de ces décès se produiraient chez les adultes vivant dans les ménages où vivaient les enfants vaccinés. Elles ont estimé que pour chaque décès dû à la COVID-19, plus de 80 décès seraient évités chez les enfants vaccinés. Et en effet, si vous regardez simplement ou bien prenez simplement en compte les décès d'enfants, le vaccin a été bénéfique pour environ 85 000 personnes contre une. Le rapport risque-avantage dans tous les pays d'Afrique est donc assez important. Cela vous rappelle à nouveau l'immense valeur de la vaccination et l'importance de maintenir les services de vaccination ou de les rétablir aussi rapidement que possible. L'autre intervention importante vise à interrompre la transmission du virus de l'hépatite C chez les personnes qui s'injectent des drogues a été une enquête menée en Angleterre auprès des fournisseurs de matériel d'injection sûr destiné aux personnes qui s'injectent des drogues. Cette étude a révélé, comme le montre la diapositive, qu'il y a eu une baisse d'environ 66% du nombre de clients et de visites de clients en 2020 par rapport à l'année précédente, une baisse de 29% des aiguilles fournies et un quasi-arrêt des tests de dépistage du VIH et du virus de l'hépatite C. En conséquence, il y a eu une diminution de la disponibilité du matériel d'injection sûr pour les personnes qui s'injectent des drogues. Et leur inquiétude est qu'il pourrait y avoir des épidémies du VIH et du virus de l'hépatite C qui ne seraient pas détectées parce que les tests de dépistage du VIH et du virus de l'hépatite C ne sont pas effectués. 2 enquêtes ont été menées sur les programmes de service de seringues aux États-Unis. L'une d'entre elles portait sur 65 programmes mis en œuvre dans 33 États. 85% d'entre eux ont déclaré
qui restaient ouverts. 78% ont des horaires restreints. Cependant, 26% ont eu recours à certains modes de distribution mobile pour que les clients n'aient pas à revenir. Et seulement 26% ont continué à faire des tests de dépistage du VIH et du virus de l'hépatite C. Cela montre que nous avons besoin de mesures pour protéger les clients et le personnel de la COVID-19. Une autre enquête un peu plus importante a été réalisée auprès de programmes participant au réseau des services de seringues en Amérique du Nord. 143 programmes ont répondu à l'enquête. 43% d'entre eux ont fait état d'une diminution des services. 25% ont fermé des sites et presque tous les programmes ont arrêté les tests de dépistage du VIH et du virus de l'hépatite C. Cela est très troublant pour nos efforts visant à identifier les personnes qui ont besoin d'une thérapie contre le virus de l'hépatite C. Les données montrent que les programmes de santé publique prennent certaines mesures d'éducation et fournissent d'autres services dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Mais aucun d'entre eux n'a été inclus dans les plans d'intervention d'urgence de leur juridiction. Elle montre la manière dont ces programmes pourraient effectivement servir de canal pour fournir des services pendant la pandémie à des populations marginalisées telles que les personnes qui s'injectent des drogues. Certaines innovations pouvant aider à maintenir l'accès à du matériel d'injection sûr pendant la pandémie ont consisté à réduire le temps de contact en emballant d'avance les fournitures médicales pour les participants qui arrivent, à augmenter la quantité de fournitures qui était donnée pour une semaine afin qu'elle dure deux à quatre semaines, à élargir les options de livraison par les pairs, à livrer les fournitures par courrier et dans les distributeurs automatiques comme au Royaume-Uni. Ensuite, à intégrer les programmes de service de seringues dans la riposte à la COVID-19 en fournissant des sources d'éducation, des équipements de protection individuelle et profiter de cette situation pour faire le dépistage de la COVID-19 et de l'hépatite en même temps. Passons maintenant du dépistage au traitement. Un certain nombre de recommandations ont été faites pour limiter les soins de routine administrés aux patients afin que les sites cliniques ne soient pas des sources de transmission de la COVID-19. L'Association pour l'étude des maladies du foie a également formulé des recommandations en faveur de la poursuite du traitement de l'hépatite B et de l'hépatite C pour les patients qui n'ont pas la COVID-19, car les traitements ont déjà commencé chez les patients non atteints par la COVID-19, de sorte que les traitements puissent continuer. Il n'y a aucune raison de traiter une personne atteinte d'hépatite C qui a la COVID-19. Cependant, si certains patients ont la COVID-19, cela pourrait être une raison pour commencer un traitement contre l'hépatite B en raison des inquiétudes concernant la flambée de leur hépatite à la suite de différents médicaments utilisés dans le traitement de la COVID-19. L'Association pour l'étude des maladies du foie a également recommandé différentes façons de limiter l'exposition des patients en limitant les soins cliniques aux situations d'urgence. Elle recommande le port des équipements de protection individuelle par le personnel qui reçoit les patients présentant des symptômes de COVID-19 et qui les teste. L'association recommande aussi l'utilisation des appels téléphoniques et de la télémédecine pour fournir des services. Je pense que nos discussions nous permettront d'en apprendre davantage sur nos expériences en matière de prestation de services pour l'hépatite. Avec la participation du réseau ECHO, nous avons ouvert une enquête au CAP sur les changements des pratiques cliniques en Afrique pendant la riposte à la COVID-19. Pendant que nous continuons à enregistrer des taux élevés d'infection, des procédures de contrôle des infections ont été mises en place pour réduire les transmissions, notamment en exigeant que les patients portent des masques, par exemple. On constate également une augmentation de l'utilisation de la télémédecine pour mettre l'accent sur la distanciation sociale, le report des visites cliniques qui n'étaient en fait pas nécessaires, l'augmentation du nombre de pilules afin que les patients n'aient pas à revenir pour se resservir. Avec tout cela, il y a eu une baisse
des traitements du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C dans les milieux cliniques qui ont répondu à l'enquête. L'enquête aidera jusqu'en septembre les cliniciens de notre projet participant à COLDA à aller compléter la dite enquête afin que nous ayons une bonne compréhension de l'impact en Afrique. Nous disposons de deux modèles d'études de l'impact stratégique de cette interruption des tests et des traitements, en l'occurrence pour l'hépatite C en Italie et au Royaume-Uni, qui montrent que plus l'interruption est longue, plus le taux de maladie avancée du foie et le taux de décès pour 1000 personnes atteintes du virus de l'hépatite C augmenteront au cours des 5 prochaines années. Dans le cas de l'Italie, par exemple, cela se traduira par 500 décès supplémentaires si cette interruption est de 12 mois pour ce pays. Une autre étude a été réalisée sur la base d'un modèle précédent pour le monde entier qui a inséré une interruption et un arrêt complet des tests et du traitement de l'hépatite C pendant une période d'un an pour commencer, montrant un impact très important de plus de 900 000 diagnostics en moins, près de 45 000 diagnostics de cancer du foie supplémentaires, plus de 72 000 décès de plus dus à l'hépatite C. Il est également important de noter que si l'interruption est inférieure à 12 mois, l'impact sur la santé sera évidemment moindre. Ainsi, plus vite nous pourrons maîtriser la COVID-19 et ramener nos ressources à la normale, mieux nous pourrons offrir nos services aux patients atteints d'hépatite B et d'hépatite C. Nous avons un peu parlé de certaines des conséquences négatives pour l'élimination de l'hépatite relativement à la riposte à la COVID-19. Cependant, nous devons également être conscients de certains avantages potentiels qu'elle peut engendrer maintenant et dans le futur. Je vais essayer d'en analyser quelques-uns à la lumière de certains commentaires qui ont été rédigés récemment. En ce qui concerne les tests et le suivi des contacts, nous devons reconnaître qu'il y a eu une forte augmentation des investissements dans des plateformes de diagnostic, de sorte que les pays à revenus faibles et moyens, ainsi que les milieux marginalisés des pays à revenus élevés, ont mis en place leurs plateformes de diagnostic pour tester les patients pour la COVID-19. Ils offrent donc l'occasion de voir comment les plateformes de diagnostic peuvent être utilisées pour le dépistage de l'hépatite, en particulier à mesure que le nombre de cas de la COVID-19 diminuera à l'avenir. Il est également possible de réfléchir à la manière de regrouper les tests de dépistage de l'hépatite et les intégrer aux tests de dépistage de la COVID-19. En particulier pour les populations qui sont à risque de contracter une COVID-19 grave ainsi qu'un risque d'hépatite. En regroupant ces tests, comment pouvons-nous améliorer l'équité en matière de santé pour les tests de dépistage de l'hépatite et de la COVID-19? Et en les regroupant, réduire la stigmatisation et accroître l'acceptabilité afin qu'il y ait une amélioration tangible de la façon dont les populations ont accès aux soins de santé, y compris aux mesures préventives. En ce qui concerne la surveillance, je suis impressionné par la reconnaissance accrue du public à l'égard de la surveillance de la santé publique, c'est-à-dire l'appréciation de tout le monde. Et c'est également vrai pour les cliniciens, qui ne sont pas connus pour le travail de surveillance et dont le rôle n'est apprécié que maintenant dû à la COVID-19. Il est également nécessaire d'investir dans les technologies de l'information pour améliorer le transfert des informations vers les milieux cliniques, vers les services de santé et les ministères de la santé. Le CDC et d'autres organisations augmentent leur investissement dans la formation afin que le personnel en Afrique et dans d'autres pays ait les compétences requises pour mener à bien la surveillance des protocoles. Après toute cette amélioration des capacités,
il se tourne maintenant vers l'amélioration de la surveillance de l'hépatite et la collecte d'informations stratégiques pour suivre réellement les progrès en vue de la réalisation de notre objectif d'élimination de l'hépatite. Par ailleurs, il y a eu une amélioration des prestations de services. La lutte contre les infections s'améliore. Par exemple, d'autres stratégies de proximité pour élargir l'accès au traitement. Pour l'hépatite B et l'hépatite C, nous devons voir comment nous pouvons intégrer les leçons apprises dans les pratiques de routine. Il existe un large éventail de professionnels qualifiés qui peuvent devenir des fournisseurs de traitement contre l'hépatite. Pourriez-vous passer à la diapositive de synthèse, s'il vous plaît? Certains avantages potentiels, tels que présentés ici, sont reconnus. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de plateformes de laboratoire, de l'augmentation de la communication des résultats de laboratoire, de l'amélioration de la formation des cliniques à la prise en charge des maladies infectieuses, de l'amélioration des résultats d'orientation, de l'amélioration du suivi des contacts et de l'utilisation des cliniques d'hépatite dans le cadre de la riposte à la pandémie. Il existe donc de nombreuses possibilités d'éliminer l'hépatite. Donc, en résumé, la riposte à la pandémie de la COVID-19 a manifestement lancé une vaste riposte qui se poursuit. Nous reconnaissons que les soins médicaux doivent être orientés pour répondre à cette nouvelle crise sanitaire. Malheureusement, à court terme, cela se traduit par une diminution de l'accès aux services nécessaires pour interrompre la transmission des hépatites B et C et aux services requis pour tester, diagnostiquer et traiter les personnes. L'impact de ces interruptions dépendra de leur durée. Puis, plus elles dureront, plus leur impact sera évidemment important. La riposte à la COVID-19 doit être efficace afin que tous les services puissent revenir au niveau d'avant la COVID-19. Les programmes élaborent des stratégies pendant la riposte à la COVID-19 afin que ces services puissent revenir au niveau d'avant la COVID-19 le plus rapidement possible. Et offre ces opportunités pour commencer à partager les leçons apprises avec d'autres afin que nous puissions chercher à maintenir ou même à améliorer l'accès à ces services essentiels pour éliminer l'hépatite. Par ailleurs, en regardant vers l'avenir, il y a quelques résultats positifs de la riposte à la COVID-19 qui peuvent bénéficier de l'élimination de l'hépatite. Nous devons donc rechercher ces opportunités, les saisir et utiliser réellement la riposte à la COVID-19 comme une force motrice pour faire des progrès vers l'élimination de l'hépatite. J'attends avec impatience les discussions et je vous remercie encore de m'avoir rejoint à travers cet écran dans Kolda 2020. Je vous remercie. Thank you, John. That was fantastic. It's now my pleasure to introduce Arafat Mwembale from Uganda to talk about the community experience while delivering hepatitis B services during the COVID pandemic. Arafat works as a capacity building and mentorship officer within the Great Lakes Peace Center, which is a youth grassroots lead organization. He also works at Mabwera General Hospital as a medical clinical officer and a public health officer. We really look forward to your presentation. Mabwera General Hospital and Great Lakes Peace Center de l'Ouganda partagent leur expérience communautaire tout en fournissant des services aux clients atteints d'hépatite virale B pendant la pandémie de la COVID-19.
Great Lakes Peace Center est une organisation communautaire dirigée par des jeunes qui collaborent avec Buera General Hospital. Et Great Lakes et Buera Center se passionnent pour la mise en œuvre des ODD au sein de notre communauté indigène et l'objectif de développement durable numéro 3 en particulier. Nous mettons stratégiquement des interventions spécifiques afin d'intensifier et de prendre en charge les personnes atteintes d'hépatite B de la manière la plus efficace et la plus efficiente aussi pendant cette pandémie. L'Ouganda a commencé à mettre en place des restrictions de confinement à la mi-mars. Les restrictions sur les rassemblements publics, la fermeture des établissements d'enseignement, les Bora Bora, transport de personnes, les marchés mobiles, les salons et les arcades ont été maintenus. Et le couvre-feu dure de 19h à 6h30 du matin. C'est pendant ces restrictions de la COVID-19, compte tenu du relief de notre région, qui est un ensemble de collines situées au pied de la montagne Wenzi, d'un grand nombre de clients n'ont pas pu venir pour le dépistage, le test, la vaccination et la recharge des médicaments en raison des longues distances à parcourir dans les montagnes. En général, ils utilisent les moyens de transport connus sous le nom de Bora Bora pour se rendre dans les centres de santé. Pendant cette période difficile, la plupart des personnes âgées et des autres clients ne peuvent pas venir pour renouveler leurs médicaments. Avec l'aide de GLPC, l'infection par l'hépatite, le diabète, l'hypertension et les maladies en phase terminale sont sous soins palliatifs. Nous avons formé une équipe d'agents de santé dans notre clinique pour continuer à offrir les services aux groupes de pairs pendant la période de fermeture. L'équipe effectue le dépistage, le test, la vaccination, le traitement, la prise en charge et à assurer les soins à l'hôpital. Nous avons convenu avec le président et les coordinateurs des groupes de pairs de dresser le profil des clients qui se trouvent dans les zones montagneuses afin de livrer des médicaments dans les lieux éloignés, notamment à Bulambayiri et Ilandiro. Les fruits de nos interventions, nous avons été très heureux de livrer les recharges pour les personnes âgées et celles qui souffrent d'une infection par le virus de l'hépatite B pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et août. En mai, juin, juillet, nous avons réapprovisionné en médicaments environ 240 personnes vivant avec l'hépatite virale dans les communautés de Pondé, Isango et Karambi. Nous avons été ravis de livrer des recharges pour les personnes âgées et les personnes infectées par l'hépatite virale à Isango. Nous avons effectué un dépistage statique des patients et nous avons dressé une carte des zones de ceux qui pouvaient fournir au centre de santé. Nous avons proposé aux clients de prendre rendez-vous, des conseils, une éducation à la santé, de partager des informations et de communiquer avec leurs membres à la base par téléphone. Nous orientons les clients vers le centre de santé 3-4 pour qu'ils soient ensuite dirigés vers les hôpitaux afin que les travailleurs de la santé puissent les dépister, les informer sur la santé et communiquer sur le fardeau de l'hépatite virale B. Les clients peuvent faire l'objet d'un examen de CBC, de la charge virale et d'une autre prise en charge thérapeutique. Nous effectuons la sensibilisation sur nos plateformes médias sociaux, Facebook, LinkedIn. Nous encourageons de nombreux jeunes à suivre nos comptes Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram et Twitter afin d'avoir toujours un retour d'information et d'être rassuré. Nous avons demandé à nos dirigeants d'écouter et de se concentrer sur la volonté politique et l'engagement des dirigeants, des chefs religieux, des autorités administratives à dégager des fonds et à faire les investissements requis. Nous militons pour l'introduction de la dose à la naissance pour les jeunes. Nous veillons également à ce que toutes les femmes enceintes qui se rendent en consultation prénatale subissent un dépistage obligatoire de l'hépatite B. Nous devons renforcer la chaîne de froid du système de santé pour garantir l'efficacité des vaccins. Comme vous le savez peut-être, la plupart des naissances en Afrique ont lieu en dehors des établissements de santé. Il est donc nécessaire de renforcer le lien entre les agents de santé communautaires pour s'assurer que les mères accouchent dans les établissements de santé. En effet,
Il n'y a pas de voie pour, vers la paix. La paix est la voie de l'inclusion des jeunes pour qu'ils soient le fer de lance et les champions de l'élimination de l'hépatite au moment où nous sommes à 10 ans de l'élimination de l'hépatite virale qui est un ODD à réaliser à l'horizon 2030. Construire la paix pour rassembler les nations. Merci beaucoup. Thank you, Arafat. Fantastic. We're now going to have a live panel discussion. Again, you need to go back to Zoom. You access this as before by clicking on the Zoom link on the right side of the page. John and Arafat will be joined by Carrie James from the World Hepatitis Alliance, Wendy Spearman from the University of Cape Town, South Africa, and Shivanti Nayagam, who's just down the road from me here at Imperial College in the United Kingdom.